Hello, je veux te donner aujourd'hui un exercice que tu peux faire quand tu es assis devant ton ordinateur en train de travailler. Que ce soit au bureau ou à la maison, à la longue, ça rend complètement dingue d'être assis comme ça et avec les yeux complètement absorbés dans l'écran et en train de se creuser la tête. Et tu peux faire un exercice qui est très simple et absolument bon pour ta colonne vertébrale. En fait, l'alignement, et ça je vais te montrer. Quand tu t'assieds sur ta chaise, au lieu de t'asseoir comme ça ou comme ça, tu t'assieds d'une manière à ce que tu puisses totalement te tenir tout droit. Et donc, ce que tu peux faire, je vais prendre une autre chaise pour y réfléchir avant. Donc, ce que tu peux donc faire sur ta chaise, c'est de prendre ta tête, ta main ici, et la lever un peu au-dessus de la tête, et de sentir comment tu t'alignes vers le haut. Et de sentir que toute ta colonne, là, il faut de nouveau mettre ça plus bas, que toute ta colonne est tout droit, que tu sens comment tu es assis sur la chaise, tes deux pieds bien plats au sol, ici étirés vers le haut. Cela va ouvrir ton plexus solaire ici, ouais, et ça va faire en sorte que tu puisses t'étirer vers le haut. Donc, une manière à être assis, en fait, sur le tout devant de ta chaise. Donc, si tu as la chaise de bureau ici, fais en sorte que les hauteurs soient adaptées, c'est-à-dire que tu puisses avoir les pieds sur le sol ou bien sur une sorte de rehausseur, les pieds doivent toucher et que tu t'assieds tout devant sur ta chaise. Et alors, en faire totalement une habitude de te mettre tout droit et de temps en temps, quand tu es occupé à travailler, de vérifier est-ce que je suis de nouveau comme ça et quand tu te sens pas droit, de te dire ok, je m'aligne. Et en réalité, ce qui se passe quand tu t'alignes de cette manière-là, ta colonne est comme une antenne. Une antenne, et ça il faut le pratiquer, qui est reliée aux énergies du haut et aux énergies de la terre-mère. Et quand tu t'alignes comme ça, non seulement ton plexus solaire s'ouvre, mais tu as ta colonne qui s'aligne. Et tu peux le. Donc, si tu mets la main ici comme ça, tu peux sentir comme si tu grandis et étirer cette colonne vers le haut. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien pour ta concentration, pour cette connexion. S'il y a personne là, tu peux simplement inspirer comme ça et expirer. Et laisser ce souffle monter et descendre comme si tu allais absorber ces énergies et juste te connecter. Et tu fais ça à plusieurs reprises dans la journée et tu vas sentir une vraie, vraie différence. Tu vas sentir quelque chose qui se concentre, qui s'aligne et qui se relie. Et ça te donne de l'énergie, ça te donne une concentration et surtout, indépendamment de tout ce qu'on te demande et de tout ce que tu fais, le stress que ça peut impliquer d'être sur l'ordinateur, tu peux sentir que tu restes aligné et connecté et centré. Et si ça devient de trop d'être assis comme ça sur l'ordinateur, moi ce que je faisais à l'époque et ici à la maison, ça se présente comme ça tout seul, la toilette est en haut. Donc je buvais toujours assez d'eau et j'allais toujours à une toilette à un étage au-dessus. Je m'arrangeais pour ne pas devoir, enfin pour pouvoir monter les escaliers le plus souvent possible et dans les escaliers tu shakes. Dans les escaliers, tu secoues tout, tu profites pour vraiment un peu secouer tout ce que tu as à secouer, la tête, les épaules, les mains, les pieds, faire des ronds et vraiment sentir, tu peux même monter, descendre en courant si c'est possible pour faire en sorte que ça circule. Et tu vas voir, avec ces deux choses-là, tu vas vivre tes journées totalement différentes et je me réjouis d'entendre ton commentaire, de lire ton commentaire là en dessous pour voir si tu as essayé ça et si tu as senti une différence. Je me réjouis de te lire et je te souhaite une belle journée. Bye bye!